Nous avons inscrit à notre actif la conquête de l'air. Nous allons aujourd'hui dans l'espace, fort de technologies prodigieuses. Les mêmes technologies vont s'appliquer à toutes nos autres activités, singulièrement au transport terrestre. Et vous devez attendre, d'ici à l'an 2000, une somme d'événements plus importants que tout ce que l'humanité a connu depuis deux siècles. Intelligence de la conception, modernité des moyens, un recours systématique à l'informatique la plus sophistiquée a été pratiqué à tous les niveaux. La conception de l'AX a nécessité quelques 400 000 heures de travail. Trois idées fortes héritées du programme ECO 2000 ont présidé à sa réalisation. La réduction du CX, l'amélioration des performances et rendements du moteur, et surtout, la réduction de la masse. Par la théorie, vous pouvez calculer la résistance offerte à l'avancement par l'atmosphère. Le mathématicien, nous le savons, avait pu déterminer le profil idéal d'une aile d'avion en recourant aux fonctions imaginaires. Mais vous avez aussi l'école de la nature. Elle est là, par exemple, avec la goutte d'eau. La goutte d'eau, lorsqu'elle tombe, vous la voyez s'allonger, comme pour attirer notre attention sur le fait que la partie arrière est au moins aussi importante que la partie avant pour déterminer la résistance à l'avancement. Et cette partie arrière, elle doit être idoine. Et c'est dire que si vous avez affaire à un véhicule plus court, eh bien la réduction du CX sera chose plus difficile. Plus difficile, mais singulièrement payante. Si vous parvenez en effet à diminuer le CX de 10%, eh bien, à la vitesse de 120 km à l'heure, vous aurez une réduction de consommation de 7%. Les études en CAO de l'AX ont permis de réduire le CX à 0,31, ce qui est un record absolu pour un véhicule de cette catégorie. Il y a encore 15 ans, le rendement moyen d'un moteur d'automobile, c'était de 15% seulement. Et techniquement parlant, on peut dire que c'était l'âge de la barbarie. Depuis lors, en effet, le rendement, il a doublé. Ce résultat ayant été obtenu grâce à une étude systématique des pièces, de leur comportement. On a modélisé mathématiquement la bielle et sa déformation. On s'est attaché à prendre en considération les centaines de pièces dont un moteur est fait, de manière à gagner un tout petit peu ici, un tout petit peu là. Et dans ces conditions, le total a été important. Aujourd'hui, ainsi, eh bien, avec des performances égales, vous pouvez consommer moitié moins et ce n'est pas fini. Le moteur de l'AX est certainement l'un des plus performants des moteurs actuels. Compact, ses principaux organes ont été passés au crible de l'informatique et patiemment optimisés pour accroître son rendement. Piston et conoguide à frottement réduit, cette amélioration à elle seule suffit à réduire de 20% le poids du piston et à diminuer de 2% la consommation du moteur. Réduction des manetons, limitation du frottement, amélioration du rendement. Culbuteur, corps alu pour la légèreté, patin en acier pour la robustesse. Technique de fabrication Lost Foam, seule capable de donner au collecteur d'admission les caractéristiques demandées. Enfanté par les ingénieurs de l'aérospatiale, l'Airbus A320, c'est l'avion de l'an 2000. C'est l'avion à commande toute électrique. Eh oui, c'est l'avion où vous avez des matériaux composites de façon systématique. Et cela, pas simplement pour le plaisir du nouveau, parce que la sécurité est plus grande, parce que les performances sont beaucoup plus intéressantes, parce que c'est un gain d'économie. Et l'automobile, eh bien, elle relève de la même logique. Je veux dire que jusqu'à présent, l'automobile était lourde et dans ces conditions, elle dévorait de l'essence. Quand vous passez de 0 à 60 km à l'heure avec un véhicule de 800 kg, vous consommez 10 cm cubes d'essence. Allégez votre voiture, réduisez le poids de 25% et vous avez une économie d'autant. Et cela, c'est très appréciable. En même temps, énergie cinétique moindre, cela signifie que vous pourrez freiner plus facilement. Voilà le sens du grand mouvement que nous vivons à l'heure actuelle. Alléger une voiture, c'est d'abord procéder à un inventaire de l'ensemble de ses masses. Alors ainsi, on passera en revue tous les systèmes, on regardera de quelles pièces ils sont constitués, et ces pièces, on les reconcevra éventuellement avec d'autres matériaux. On modifiera leur forme que l'on recalculera. On changera les épaisseurs.
Ces épaisseurs, on fera en sorte qu'elles soient minimales, mais en même temps, eh bien, on pourra avoir l'occasion d'augmenter la solidité. Le problème majeur étant de faire en sorte que la masse soit mise là où il faut qu'elle soit. Depuis une dizaine d'années, le nombre de pièces constituant la caisse d'une automobile a été divisé pratiquement par 3 et est ainsi passé, par exemple, de 503 sur la GS à 188 sur la X, dont la caisse ne pèse plus que 165 kg. Sur les éléments mécaniques aussi, les grammes inutiles ont été chassés jusque dans les moindres recoins. Par exemple, les arbres de transmission ont été remplacés par des tubes. Outre une rigidité meilleure, un niveau de bruit nettement atténué, la diminution de poids atteint 600 grammes. Les tiges d'amortisseurs, elles aussi, sont remplacées par des tubes. L'allègement est sensible. 4 kg ont été gagnés sur le poids moyen d'une boîte de vitesse par l'utilisation, entre autres, d'un carter à luétole. Pour le volant moteur, moins 2 kg. Le collage du pare-brise, solution issue de la BX, permet d'une part une meilleure rigidité de la caisse et à nouveau un gain en légèreté. Toutes ces applications et bien d'autres ont abouti à une économie de poids d'environ 100 kg, ce qui est considérable sur un véhicule de cette catégorie. Elles ont été sous-tendues par une constante approche informatique des problèmes. Dans la foulée de réalisations aérospatiales, comme cette dérive en matériaux composites de l'extraordinaire A320, aujourd'hui, on sait créer des substances à la fois plus légères et plus résistantes que les substances conventionnelles. Ces matériaux composites, l'automobile les utilise. Et elle n'ignore pas pour autant les aciers qui ont parcouru un énorme chemin depuis les temps héroïques de la Tour Eiffel. Alors, les aciers supportaient 8 kg au millimètre carré. Aujourd'hui, on admet des résistances 5 fois plus grandes. Ces aciers nouveaux, très utilisés sur la X, ont pour nom acier HLE, c'est-à-dire à haute limite élastique. Ce sont des aciers faiblement alliés de niobium et de nickel. Leur résistance mécanique est meilleure que celle des tôles conventionnelles. Elle peut atteindre en effet 40 kg par millimètre carré, alors que les tôles conventionnelles ne dépassent pas 20 kg par millimètre carré. À résistance égale, l'épaisseur des pièces peut donc être réduite et la masse en est diminuée d'autant. Dans la X, les tôles HLE ont par exemple été utilisées pour les traverses, les renforts de plancher, les doublures de longerons, les supports de suspension, les supports de crémaillère, les jantes de roue. 30% des pièces constituant la caisse sont en tôle HLE. Mais elle ne représente que 19% de son poids. Une caractéristique de toutes les substances nouvelles, c'est leur très étonnante spécificité. Ainsi, vous pourrez créer des matériaux à la carte, en fonction d'une application. Et à ce matériau, vous donnerez une forme savamment étudiée, de manière précisément à optimiser le travail de la pièce. Vous êtes ainsi gagnant sur les deux tableaux. Vous aurez des pièces qui seront très complexes, mais dont le nombre pourra être réduit. Deux types de matériaux de synthèse sont utilisés dans la construction de la X. Une pâte, appelée BMC, pour Bulk Molded Compound, qui sera injectée à chaud dans un moule. Des feuilles, ou SMC, pour Sheet Molded Compound, qui seront pressées à chaud entre deux formes. Les deux désignent un mélange d'une résine polyester et de fibres de verre. Le mode de fabrication des pièces en matière composite permet à un seul élément de remplacer plusieurs pièces en métal et donc de réduire de manière importante le nombre des liaisons. Les ingénieurs disposent d'une palette de matériaux de plus en plus riches, des matériaux dont les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Ainsi, ils pourront exploiter dans certains cas la résistance mécanique, dans d'autres cas la résistance au choc ou le fait de supporter des températures très élevées. Et cette richesse de moyens, c'est évidemment un atout majeur pour donner à chaque problème la solution optimale. Les matériaux composites ont été utilisés dans un grand nombre de pièces de la X, et notamment sur la caisse, pour le haillon arrière, la grille d'auvent et l'intérieur des passages de roues. D'autres pièces, comme le réservoir ou l'absorbeur de choc qui renforce le pare-choc arrière, sont fabriquées par soufflage.
Autant d'éléments qui, alliés à l'électrozingage et à la galvanisation des tôles, concourent à une parfaite résistance à la corrosion. La voiture la mieux conçue ne peut plus se passer maintenant de méthodes modernes de fabrication qui permettent de resserrer les tolérances et ainsi d'améliorer la qualité. Le robot réalise exactement le bon nombre de points, chacun situé précisément au bon endroit et chacun parfaitement réussi. L'assemblage de la carrosserie est entièrement automatisé. 157 robots et 144 automates programmables y assurent en dehors de toute présence humaine la totalité des points de soudure. Par ailleurs, des techniques nouvelles d'assemblage ont été mises au point. C'est ainsi que le collage des pièces, procédé qui prendra sans aucun doute une grande extension dans les années à venir, est déjà utilisé pour augmenter la solidité et la rigidité de certains assemblages de l'AX. Toutes ces techniques d'avant-garde assurent à l'AX une fiabilité de construction qui préfigure les voitures de l'avenir. L'opération assez solennelle que vous appelez compte à rebours, c'est en réalité une vérification générale des systèmes de la fusée avant son lancement. Au même titre, avant sa mise en service, une voiture nouvelle subira une impressionnante série de tests. On aurait pu penser que l'allègement de l'AX se traduirait par une diminution de sa robustesse. En fait, les moyens informatiques ont permis de sélectionner les solutions les plus robustes, offrant le meilleur gain de poids. On effectue alors le maillage complet de la structure, c'est-à-dire sa réduction en facettes articulées sur 8000 points. Des calculs mathématiques très complexes, basés sur la méthode des éléments finis, permettent d'évaluer la résistance de la future voiture. Grâce à la résolution en moins d'une heure de quelques 20 000 équations différentielles, on peut en effet soumettre ce modèle informatique aux sollicitations les plus sévères et il réagira d'une manière quasi identique à celle de la voiture réelle. Les essais des prototypes confirmèrent la justesse de la plupart des études théoriques. Outre le roulage réel sur route, les ingénieurs disposent maintenant de moyens mécaniques de simulation qui mettent en évidence les défauts qui doivent être corrigés. Le banc à rouleau, par exemple, simule en laboratoire et sans fatigue les essais les plus éprouvants. Mais aujourd'hui, le banc triaxial reconstitue exactement les efforts transmis à la caisse tout au long de la chaîne cinématique des liaisons au sol. Des systèmes très sophistiqués de visualisation permettent d'exploiter au mieux les résultats de l'expérience. La mathématique, c'est évidemment un instrument merveilleux, mais il a ses limites, et cela pour une raison facile à comprendre. Tout simplement le fait que, dans un ordinateur, vous ne mettez jamais des données qu'en nombre fini, alors que les dimensions du hasard, elles sont infinies. Et dans ces conditions, une voiture ne pourra être déclarée bonne que si préalablement elle a été testée par le biais d'un prototype. Les essais de choc subis par les prototypes ont été particulièrement brutaux, bien au-delà de ceux nécessaires à la qualification du véhicule par le service des mines. C'est ainsi que, outre le choc frontal à 50 km/h, les diverses versions de la voiture ont dû subir des chocs à plus de 50 km/h, des chocs en biais, particulièrement destructeurs, contre un mur orienté à 30 degrés, des chutes verticales de simulation de choc, des chocs de type réparabilité, dans lesquels un pendule très pesant vient heurter la voiture. Une étude, image par image, permettait aux ingénieurs de déterminer, à une fraction de millième de seconde, laquelle des pièces n'aurait pas donné satisfaction. C'est ainsi, par exemple, que le banc d'essai de claquage confirma la justesse du choix des matériaux composites haute résistance pour le volet arrière. À l'avant de la voiture, des zones prédéformées qui servent à dissiper l'énergie d'un choc ont pris leur profil définitif. Le point d'ancrage de la ceinture a été rendu solidaire du siège, comme sur les véhicules haut de gamme, ce qui est un facteur supplémentaire de sécurité. La rigueur d'une telle méthode devait porter ses fruits, puisque l'AX, malgré son poids, a des propriétés largement supérieures aux normes imposées. Alors que la norme de choc frontal limite le recul du volant à 12,7 cm maximum pour un choc effectué de face à 50 km/h, il n'est que de 4,5 cm sur l'AX. Parallèlement,
D'autres essais, tels que la méthode photostress en lumière polarisée des pièces soumises à un effort, fait apparaître instantanément les zones de contrainte. L'étude thermographique de certains ensembles met en évidence leur comportement à la chaleur. L'ordinateur permet de multiplier plusieurs dizaines de fois les déformations infinitésimales des pièces placées en situation sur un prototype, afin d'en faire une analyse immédiate en régime vibratoire. Mais la différence, c'est que demain, ce prototype, il pourra être unique. Simplement, il aura pour mission de vérifier qu'avec le calcul, on n'a rien oublié. Alors qu'hier, au cours de la conception, il fallait créer un certain nombre de prototypes et chacun revenait à plusieurs millions qui, cela va sans dire, seront beaucoup plus judicieusement employés. Il y a mieux aujourd'hui. On peut en effet visualiser la manière dont se comporte une pièce soumise à des contraintes excessives. Et en recourant à des simulations, on modélisera toutes les agressions, tous les accidents, si l'on dispose d'un gros ordinateur tel que le CRE. Les méthodes informatiques ont effectivement progressé dans la simulation des chocs. Et grâce au CREXMP acquis par le groupe, les ingénieurs Citroën peuvent analyser, élément par élément, les résultats d'une catastrophe entièrement informatique. On devra méditer que dans l'histoire des technites, la fusée était apparue très tôt, bien avant l'automobile. Mais alors, c'était un appareil très rudimentaire. Le véritable progrès, il a été technologique, avec une division par trois de la masse, tandis que la fiabilité, elle a été décuplée. Eh bien, votre voiture emboîte le pas. Vous la voyez devenir elle-même toujours plus légère, toujours plus fiable. Oui, nous vivons le printemps de l'automobile.